Le second nettoyage consiste à faire un nettoyage de l'infuseur. Donc, même concept, la première étape consiste à entrer dans le menu principal qui va nous donner accès au cycle de lavage. Et par la suite, on doit choisir l'option qui indique « Lave, groupe, café ». Donc, en appuyant une fois sur le bouton, la machine va rentrer en mode nettoyage. Donc, on appuie sur le bouton « Start ». Et entre-temps, l'infuseur va se positionner pour commencer le processus. Une fois prête, la machine va nous indiquer d'ouvrir la porte. Donc, chose qu'on fait en appuyant en haut à droite sur la porte. Et par la suite, on va rentrer dans le menu où on doit faire différents brossages. Donc, au total, il y a 3 brossages qui sont requis. Donc, on va faire un survol rapidement. Le premier nettoyage consiste à faire un brossage du piston qui se trouve à l'intérieur même de l'infuseur. Donc, c'est une partie circulaire qui se trouve ici. Et à l'aide de la brosse rouge qui vous est fournie à l'intérieur de la machine, on va gentiment enlever les résidus de café qui se trouvent à l'intérieur. Le prochain nettoyage consiste à enlever les dépôts qui se trouvent dans la chute. Pour ce faire, on va prendre la longue brosse qui est fournie encore une fois avec la machine. Et en tirant environ un demi-pouce, un pouce sur l'infuseur, ce qu'on va faire avec nos doigts, on va aligner la brosse pour qu'elle puisse se rendre le plus haut possible à l'intérieur de la chute. Une fois complété, on appuie sur le bouton suivant et on finit par passer encore une fois la brosse rouge dans la partie du bas de la machine pour enlever les dépôts de café qui auront tombé de la chute. Une fois que le brossage est fait, la dernière étape va être l'étape du coex avec une tablette de détartrant. Et comme la machine l'indique, tout ce qui reste à faire, c'est d'insérer une pastille sur le filtre inférieur. Donc juste de centrer la pastille. On appuie sur le bouton suivant. La machine demande de fermer la porte. Et une fois que c'est complété, on appuie sur le bouton Start. Et de là, la machine va faire le nettoyage pendant environ 5 minutes et éliminer tous les résidus de café qui se trouvaient dans l'infuseur.